Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 5 juin 2020. Comme d'habitude, avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, focus marché, en commençant bien sûr par les bourses européennes qui ont terminé en légère baisse jeudi. L'euro, lui, a grimpé à un plus haut de 3 mois après les annonces de la Banque centrale européenne sur une nouvelle augmentation de son soutien à l'économie de la zone euro face au choc provoqué par la pandémie de coronavirus. En effet, les bourses ont fait un bref passage dans le vert avant de clôturer dans le rouge pour saluer la décision de la BCE d'augmenter de 600 milliards d'euros pour le porter à 1 350 milliards le montant du programme d'achat d'urgence pandémique, appelé aussi le PEPP, un plan d'achat de dette sur les marchés visant à faire baisser les coûts de financement des États, des entreprises et des ménages. La Banque centrale européenne a aussi réduit ses prévisions pour le PIB et l'inflation en raison de l'impact du coronavirus. L'économie de la zone euro devrait se contracter de 8,7% cette année avant de rebondir de 5,2% en 2021 et de 3,3% en 2022. L'inflation, elle, est pour sa part attendue à 0,3% en 2020, 0,8% en 2021 et 1,3% en 2022. De son côté, le gouvernement allemand a lui annoncé que les parties membres de la coalition avaient conclu un accord sur un plan de relance de 130 milliards d'euros qui prévoit entre autres une baisse temporaire de la TVA sur de nombreux produits. Côté US, eh bien, on a Wall Street qui a quand même marqué une pause jeudi, à la veille, comme vous le savez, de la publication du rapport sur l'emploi aux États-Unis en mai, le fameux NFP. Donc, après 4 séances consécutives de hausse motivées, comme d'habitude, par des signes de redressement de l'activité économique après le choc provoqué par la pandémie de coronavirus. Toutefois, après leur plongeon du mois de mars, on constate quand même une certaine euphorie sur les marchés et un certain enthousiasme, puisque le Dow, le S&P et le Nasdaq sont désormais revenus respectivement à 11%, 8% et moins de 2% de leur record de février. Le S&P 500 vient de connaître, avec un gain de quasiment 40%, sa plus forte progression sur 50 séances depuis que la composition de cet indice est passée à 500 valeurs en 1957. Donc c'est l'un des plus gros rebonds de l'histoire du S&P 500. Les investisseurs ont quand même pris hier connaissance d'une nouvelle baisse des inscriptions au chômage. Certes, pour la première fois, le record de la mi-mars. Le nombre de demandes d'allocation chômage est revenu sous la barre des 2 millions, même s'il reste considérablement élevé. Et effectivement, le marché suivra avec attention le fameux rapport sur l'emploi du mois de mai, prévu ce vendredi, donc le NFP. Les économistes anticipent quand même 8 millions de suppressions de postes non agricoles et un taux de chômage à 19,8%. Pour remettre les choses en perspective, c'est un record depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Même durant la crise des subprimes en 2008, le taux de chômage n'avait pas atteint un niveau aussi élevé, puisque le pic était seulement, on va dire, si on remet les choses en perspective, à 10%, alors que là, on attend le double avec quasiment un taux de chômage à 20%. Côté macro, eh bien on va s'intéresser aujourd'hui au DAX en fonction du bilan de la BCE et de cette folle reprise boursière, surtout sur autant le CAC surperforme un peu, sous-performe, mais le DAX, lui, clairement, c'est un peu la locomotive de l'Europe et surperforme. Et on peut se poser la discussion, enfin, se poser la question en tout cas de cette folle reprise boursière qui s'est complètement en fait détachée des fondamentaux. Les actions sont-elles, la question que je me pose, c'est que est-ce que les actions sont-elles principalement motivées par la liquidité des banques centrales?
Et comme on le voit sur ce graphique, effectivement, depuis que la BCE, ici c'est le DAX, et ici c'est le bilan de la BCE, et donc on constate clairement que depuis que la Banque Centrale Européenne a fait grossir son bilan, eh bien, le DAX, pareil, est corrélé en fait au bilan de la Fed, il n'est plus corrélé aux fondamentaux. Clairement, force est de constater que le DAX se négocie en tandem avec le bilan de la BCE. Pourtant, l'économie mondiale est en baisse. En Allemagne, on a des millions de personnes qui travaillent à temps partiel, mais les bourses connaissent une reprise sans précédent, alimentée encore une fois par des liquidités à foison sur les marchés financiers. Pourtant, si on essaye de reconnecter les fondamentaux, comme ici, avec les commandes manufacturières allemandes, c'est une stat qui est tombée ce matin, et les fondamentaux ne sont toujours pas au rendez-vous. On constate que les commandes manufacturières allemandes ont chuté de 25,8% en avril, contre, on attendait quand même 19,1%, donc plus fort qu'attendu, qu'espéré, attendu en tout cas par le ministère de l'Industrie. Et c'est la plus forte baisse depuis le début de la série. La dernière fois, le mois précédent, on avait une chute à moins 15. Là, on est passé à moins 25,8. Et pourtant, on a un DAX, l'indice DAX allemand qui continue à quasiment, chaque jour en tout cas, inscrire des nouveaux plus hauts dans son rebond. Effectivement, les commandes de biens d'équipement, elles, ont baissé de 30,6% en glissement annuel. Les commandes de biens de consommation chutent de 11,4% en glissement annuel. Et enfin, les commandes de biens de base chutent, elles, de 22,7% en glissement annuel sur la période d'avril. Donc, encore une fois, force est de constater on assiste véritablement à une décorrélation des fondamentaux, avec la reprise fulgurante de l'ensemble des bourses mondiales. Ici, encore une fois, c'est le bilan de la Fed par rapport au ratio cours sur bénéfice. Donc, le bilan de la Fed, j'en ai déjà parlé à de nombreuses reprises, on est quand même passé ici de 4 000 milliards à 7 000 milliards. On a même inscrit un nouveau record historique cette semaine. Donc, le bilan en l'espace de 10 semaines, un peu plus de 10 semaines de la Fed est passé de 4 000 à 7 000, soit une augmentation de 3 000 milliards du bilan. Donc, énormément de liquidités sur les marchés. En parallèle, on a le ratio cours sur bénéfice, qu'on appelle aussi PER, qui est un indicateur avec lequel sont évaluées aussi bien la capacité que l'évolution du rendement d'une entreprise. Et cet indicateur désigne le rapport du bénéfice par action à son cours actuel. Donc, en gros, le ratio cours-bénéfice vous indique si le cours de l'action est élevé ou faible par rapport au bénéfice de l'entreprise. Et ici, on constate en fait que les banques centrales ont exacerbé, on va dire, la divergence entre les actions et les fondamentaux, puisque le dernier rebond des actions est entièrement dû à l'expansion en fait, du ratio cours sur bénéfice. Et on constate que ce multiple, ce ratio, eh bien, pareil, se négocie en tandem avec le bilan de la Fed. Si on remet encore une fois les choses en perspective, ici en 2017, on avait plutôt une bonne année boursière, des fondamentaux qui étaient quand même solide, je trouve. Voilà, le ratio était aux alentours de 20. Derrière, avant que le marché s'effondre suite à la crise du Covid-19, pareil, on avoisinait les 20. Le bilan de la Fed, bien sûr, n'était pas au même niveau, on était largement en dessous, on était plutôt aux alentours de 4 milliards. Derrière, ce ratio, justement, est tombé. Et en fait, pourtant, l'économie et les fondamentaux ne sont pas. Beaucoup d'entreprises ont dû revoir leurs prévisions à la baisse. Les résultats ne sont pas aussi bons qu'attendus. En tout cas, pour le deuxième trimestre, les résultats risquent de baisser, étant donné que l'économie a été paralysée pendant de nombreuses semaines. Et donc, forcément, ce ratio, en tout cas, de cours sur bénéfice ne représente pas la réalité économique. Et on constate qu'en fait, on a eu une explosion du ratio ici, en fait, qui a été dopée, comme vous le voyez, depuis que le bilan de la Fed a
a augmenté, que la Fed tente de soutenir artificiellement les marchés, eh bien, ce ratio a explosé et est passé de 14 à 24 en tandem, en fait, avec le bilan de la Fed. Mais ce ratio ne représente pas, en tout cas, est complètement faussé, si vous voulez, par les injections de liquidités et ne représente en rien la bonne santé des entreprises. Au contraire, hein, on assiste à de nombreuses faillites aux États-Unis. Certaines entreprises doivent mettre la clé sous la porte. On a quand même plus de 40 millions de personnes qui ont fait des demandes d'allocation chômage, des entreprises qui font faillite, le secteur aérien qui a du plomb dans l'aile. Et derrière ça, on obtient en fait un ratio cours sur bénéfice qui vient d'exploser littéralement. Hein. On était un peu capé sous le niveau des 20 et derrière, il a complètement explosé alors que les fondamentaux ne sont pour le moment, en tout cas, toujours pas au rendez-vous. Et encore une fois, est-ce qu'on n'aurait pas la preuve que la Fed, j'ai envie de dire, que crée maintenant en fait des bulles au lieu de les empêcher? Le but de la Fed, c'est quand même de, certes, de soutenir les marchés, mais les marchés sont censés être efficients et pas dépendants sous perfusion. Et là, en fait, on constate que l'intervention de la Fed, certes, doit se faire, mais l'intervention massive des banques centrales peut, en fait, tout simplement créer des bulles et fausser complètement, en fait, tous les ratios boursiers. Et tous les ratios financiers qui nous permettent de corréler, on va dire, les fondamentaux économiques avec les ratios des sociétés pour tenter d'avoir une valorisation, on va dire, du marché à peu près juste, qui reflète vraiment l'ensemble de l'économie mondiale. Enfin, pour terminer ce briefing des marchés, j'avais envie de terminer sur une pointe d'humour avec un retour à la réalité. Ici, c'est une image qui nous montre tout simplement l'état actuel de l'économie. Comme vous le savez, que ce soit aux US, le taux de chômage, les PMI manufacturiers que je tente d'expliquer, qu'ont atteint des niveaux très bas et la reprise qui peut être longue, l'économie qui se trouve quand même au tapis, un taux de chômage qui est en train d'exploser. Et donc, cette image représente tout simplement, encore une fois, j'ai envie de dire, la déconnexion entre Wall Street et Main Street, hein, l'économie qui représente Main Street, donc les ménages, les pertes d'emplois, les entreprises qui font faillite, le chômage qui explose et les marchés financiers représentés par Ronald McDonald étant vu comme un symbole du capitalisme qui lui sourit, car encore une fois, les marchés, en tout cas aux US, sont à quelques pourcentages de leur plus haut historique, alors que les fondamentaux et l'économie, on a même des émeutes aux États-Unis, qui est pour moi l'étincelle d'une explosion qui montre encore une fois que les inégalités ne cessent de s'accroître, que les tensions sociales sont toujours aussi fortes, mais malgré ça, Wall Street sourit puisque les actions montent et on atteint bientôt, enfin, on est quasiment bientôt revenu sur les plus hauts historiques. Alors, conclusion de cette image, j'ai envie de dire, c'est que les marchés continuent de monter alors que l'économie réelle s'écrase. Alors, deux explications possibles. Soit l'économie, effectivement, va rebondir plus rapidement que prévu, et on va assister vraiment à une reprise sensationnelle. Aucun licenciement, aucune entreprise qui fait en faillite, aucun problème de trésorerie à venir dans les semaines et les mois à venir de la part des entreprises. Tous les secteurs vont aller de l'avant et repartir de plus belle. Soit la liquidité des banques centrales est en train de créer de nouvelles bulles financières. Donc, pour ça, il faut laisser du temps au temps. Et encore une fois, seules les semaines à venir et les mois à venir, surtout à partir du mois de août-septembre, nous diront si oui ou non le marché n'a pas été un peu trop optimiste et n'a pas continué d'avancer avec des œillères
ignorant de plus en plus les fondamentaux, alors que le but quand même des marchés est d'avoir une certaine corrélation. Certes, les marchés financiers anticipent toujours, se projettent dans le futur, mais la question c'est est-ce qu'ils ne se seraient peut-être pas projetés trop vite, tout simplement, alors que pour le moment, eh bien, l'économie a clairement du plomb dans l'aile et ne va pas redémarrer si rapidement, si ce n'est qu'elle est boostée en fait par les liquidités à foison des banques centrales. Côté graphique maintenant, eh bien, on va aller tout de suite voir le CAC 40. Qui prend quand même 1,7%, on a quand même pris quasiment 2% ce matin, enfin on a pris plus de 2% ce matin. Impressionnant rallye en tout cas sur les marchés financiers. On est venu combler le gap ici. Je vais me mettre en hebdomadaire pour commencer. Voilà, on est venu combler l'énorme gap qu'avait lâché. Lorsque les marchés ont lâché une deuxième fois au niveau des 5118. Donc voilà, on a atteint un niveau majeur, mais on a clairement fait pulvériser cette semaine. L'oblique haussière qui venait coiffer les prix qui passaient par les plus bas, la zone à 4930 et même le gros niveau. Pour moi, on avait quand même un gros, gros morceau, comme vous pouvez le voir ici, à 5050 points. Et le marché est tout simplement en train de pulvériser, de s'envoler, ne consolide même pas, franchit un à un tous les niveaux et ne recule pas. Dopé, encore une fois, complètement par l'illiquidité. On a quand même eu un rallye impressionnant. C'est haussier. Attendons le NFP. Est-ce que le NFP va permettre cet après-midi d'avoir une reconnexion avec les fondamentaux? Je n'en suis pas si sûr. Mais pour le moment, c'est haussier. Donc, difficile d'être à contre-courant. Difficile aussi, pour ma part, d'imaginer encore une poursuite de la hausse, étant donné quand même la récession historique qui nous attend. Mais d'un point de vue technique, en fait, on va, comme j'essaie de l'expliquer, essayer d'éviter de regarder ces fondamentaux qui ne représentent plus l'économie, des marchés qui sont complètement déconnectés. Et dans ce cas-là, se fier uniquement à l'analyse technique, à la théorie de Dow, avec des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Donc ici, pas de signal de retournement, aucun chandelier pour le moment de retournement. Au contraire, on évolue au-dessus des résistances. Donc les 5050 sont un niveau de support. L'oblique aussi, donc on est clairement au-dessus d'une grosse zone de support. En données 4 heures, bon, voilà, on est venu pile poil combler le gap. Pourquoi pas avoir un repli? On a un RSI qui commence à surcharger. On est en train de légèrement de former une divergence, mais rien n'est validé. Hein. Toujours, voilà, hein, on assiste à un magnifique rallye haussier, un sentiment d'euphorie quand même sur les marchés. Et en donné une heure, on avait quand même ce canal qui permettait de cadrer la dynamique haussière. Et pour le moment, voilà, on s'est même offert le luxe ce matin d'évoluer au-dessus du canal haussier. Alors pareil, en 4 heures et en une heure. Premier signe de faiblesse, en tout cas, ce serait avec cette divergence qui est en train de se construire sur le CAC, juste ici. Donc, on forme une divergence baissière, mais cette dernière n'est toujours pas validée pour le moment. Et actuellement, on est sur support. Donc, le seul signal de repli, en tout cas, à venir, serait éventuellement cette divergence qui montrerait que, le rallye pourrait en tout cas marquer une pause. Je ne parle pas d'un retournement, mais au moins d'une respiration quand même après une semaine folle, je trouve. Toutefois, évitons d'être à contre-courant.
étant donné que sur les unités de temps supérieures, eh bien, c'est haussier et il n'y a aucun signal de retournement pour le moment. Le DAX. Le DAX qui s'est littéralement envolé ce matin, qui se trouve maintenant plus qu'à 7% de ses plus hauts historiques. Pareil, encore une fois, pour remettre les choses un peu en perspective. C'est un véritable bulldozer. On assiste à un véritable bulldozer. La résistance mensuelle qui a été gapée enfin, en début de semaine, on franchit même 200, même 50, et il n'y a pas eu une séance de consolidation, de respiration. Ici, c'est l'ancienne borne basse du canal haussier qu'on est venu ce matin franchir très facilement. Et on assiste vraiment à un indice des marchés qui ont envie de monter, qui sont complètement dopés et qui ne reculent devant rien, qui n'ont pas froid aux yeux. Et on assiste surtout, voilà, à un véritable rallye. Aucune phase de respiration, de consolidation. Les gros niveaux sont franchis un à un. C'est quand même impressionnant ce rallye haussier. J'ai rarement vu ça, surtout dans un scénario de récession à venir et de dégradation macro aussi importante. Toutefois, encore une fois, si on regarde les prix, c'est haussier, on enchaîne, on casse des résistances sans respiration, sans consolidation. Donc, en l'absence d'un signal fort, eh bien, psychologiquement, si vous avez du mal à être acheteur, eh bien, soyez observateur. Et si vous essayez de chercher un point de vente, attendez un véritable signal de vente avec un chandelier ou une grosse news. Pour le moment, même constat, ici on est légèrement en train de former une divergence baissière. Elle est vraiment toute petite. Voilà, on la voit ici. Il faudrait que le RSI sorte de sa zone de surachat. Le RSI sorte de sa zone de surachat pour vraiment valider cette divergence, mais ce serait aussi bien qu'il soit accompagné d'un chandelier de retournement. Et en une heure, même constat que sur le CAC, on forme aussi une petite divergence. Mais on assiste toujours à un rallye, hein. On est toujours dans une phase des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. Il faudrait au moins qu'on repasse sous les 12 300 ici pour éventuellement se dire que oui, le marché pourrait entamer une phase de consolidation, respiration. Mais si on regarde toutes les autres, enfin les unités de temps supérieures, soit en 4 heures daily ou hebdomadaire, c'est haussier. On a beau se dire que les fondamentaux sont pas bons, certes, mais je pense qu'actuellement il faut vraiment regarder les prix et uniquement les prix pour éviter de se faire piéger et surtout attendre des signaux. On a beau identifier des zones très importantes. Sans signal clair, eh bien, on peut se faire très vite piéger dans ce marché littéralement devenu euphorique. Le Dow Jones, pareil, hein, qui est sorti par le haut de son élargissement de sommet. Les futurs sont actuellement dans le vert, on prend quasiment plus de 1% sur les futurs. Donc la moyenne mobile ici 200 va être gapée, on va ouvrir à la hausse. Niveau qui m'intéresse, c'est aussi ce niveau-là, la moyenne mobile 50, qui est couplée à la moyenne mobile journalière, moyenne mobile 200 journalière. Et là, parti comme ça, en fait, on va gaper ce niveau. Là, logiquement, si les opérateurs saluent le NFP en se disant, tiens, très bien, 20%, ce n'est pas si grave finalement, et continuent à évoluer dans le vert, on devrait gaper ce niveau qui correspond à la moyenne mobile 50 et 200, enfin, moyenne mobile 50 weekly, moyenne mobile 200 journalière. Donc derrière, le prochain niveau, c'est d'aller chercher les tops. Ici, les précédents top à 26 680. Donc pareil, je me montre assez prudent quand même avec le NFP. Hein, on va quand même voir ce que ça va donner. Étant donné que même si le consensus attend 19,8 et qu'on a 19, c'est quand même pas un chiffre
rassurant, je trouve. Par contre, si on tombe à 25, peut-être que le marché va finalement se réveiller et se reconnecter à la réalité. On fera un point plus précis, je trouve, lundi. Ça permettra d'avoir un peu plus de visibilité plutôt que de tenter de prévoir. Enfin, les niveaux de support et de résistance à venir sont clairement identifiés, mais le catalyseur de la semaine, c'était quand même la BCE et le NFP à venir cet après-midi. Donc, je préfère qu'on attende lundi pour repartir d'un œil reposé, on va dire. Les investisseurs ont eu le temps de digérer tous ces événements et donc ça permettra d'avoir un œil un peu plus neuf sur les directions futures des prix. Côté Forex, l'euro-USD, bien évidemment, s'envole, profite des annonces de la BCE. Où en sommes-nous? Niveau clé. Ici, ça cale, c'est un niveau qui m'intéresse. Hein. C'est moyenne mobile 200, oblique haute, enfin oblique baissière de moyen terme, couplé, comme vous le voyez, à notre moyenne mobile 200. Donc ici, voilà, c'est un niveau à travailler. Je m'attends éventuellement à un repli à venir. Toutefois, pareil, on a le NFP cet après-midi, donc forcément, ça va créer de la volatilité sur la paire euro-dollar. Donc pareil, hein, qu'on a des gros événements, essayer d'être observateur plutôt que acteur. Le marché sera là demain. Des opportunités sur les marchés, il y en a tous les jours. Surtout face à une volatilité qui reste quand même assez élevée. Hein. On a beau avoir un VIX qui est retombé en dessous de 30, on évolue quand même à 27, 28. Donc la volatilité est bien retombée, mais reste élevée. Donc avec un NFP très attendu, ça peut créer hein, pas mal de variations en tout cas à venir sur les paires en dollars. Toutefois, très important d'identifier les niveaux techniques clés, donc la résistance horizontale des 1,1370, la moyenne mobile 200 et l'oblique baissière. Donc ici, après un magnifique rallye haussier, pareil, je n'exclus pas une consolidation à venir sur les niveaux de support. Quand même, on est passé de 1,08 à 1,14. Belle hausse en très peu de temps. Mais ici, ça peut coincer. Ça se comprend tout à fait. On est sur un gros niveau technique. Voilà, la hausse est belle. La dynamique reste haussière. Mais assister à un repli avant d'éventuellement repartir. Toutefois, même constat, hein, si les marchés se reconnectent avec les fondamentaux, on pourrait vraiment avoir une correction bien plus profonde à venir sur l'euro-dollar. Voilà, pour le moment, c'est haussier. Un RSI qui est toujours dans sa zone de surachat, qui n'est toujours pas ressorti. Éventuellement, ça deviendra intéressant. Bon, là, on tente de former une étoile filante, en tout cas sur le gros niveau technique, à confirmer avec cette deuxième bougie. Mais on voit que le marché aurait besoin effectivement de respirer dans les séances à venir. Est-ce qu'on a validé? Bon, on avait une légère divergence qui vient d'être validée ici. Voilà. Je n'exclus pas en tout cas un retour sur les 1,1270 pour venir prendre appui sur la moyenne mobile 50. Toutefois, avec le NFP, prudence, cela peut créer quelques surprises. Euro GBP dans son range, 4 heures. En journalier, on évolue, on a réussi à repasser au-dessus des 0,8950. C'est un niveau qui a été travaillé de nombreuses reprises par le marché dans le passé. Pour le moment, on fait le yo-yo entre ce niveau-là. Est-ce qu'on forme une épaule tête épaule ou un range? Alors, est-ce que le marché évolue dans un range? Dans ce cas-là, bon, mais il a eu un peu de mal à venir chercher la borne haute, ou au contraire, si je me m'en donnais une heure, est-ce qu'on n'aurait pas la formation d'une épaule, tête, épaule? Pour le moment, encore un peu tôt pour anticiper cette figure. Toutefois, elle apparaît. Ce qui me dérange un peu, c'est l'amplitude des deux épaules qui est un peu haute par rapport à la tête, je trouve.
C'est pour ça que je préférais partir dans un range, sachant que ici c'était surtout de la grosse mèche. Mais le niveau important, ça va être la tenue des 0,895 et quand même partir dans l'optique qu'on est dans un range. Toujours mettre en place une stratégie de ping-pong entre ces deux niveaux. Et puis ici, c'est très très prudent car c'est un peu la bataille sur ce niveau-là entre les acheteurs et les vendeurs. L'euro CHF, forcément, qui profite aussi des annonces faites par la BCE, de la reprise à venir. Je note aussi cette petite divergence technique. Alors, actuellement en cours, décidément, pourquoi il ne veut pas me la prendre? Voilà. Divergence en cours de formation sur une unité de temps 4 heures. Cette dernière n'est pas validée. Toutefois, on est dans une zone. On est dans une zone, étant donné qu'on voilà, on travaille le niveau des 1,0840, 1,0840. Hein, on voit clairement par le passé que ce niveau-là a quand même été travaillé de nombreuses reprises. C'est l'ancienne borne basse du range qui avait formé la paire juste ici. Et surtout, c'est l'oblique baissière. C'est l'oblique baissière de long terme. Ici, on est pile poil dessus. Le marché travaille ce niveau. Donc, on est sur un niveau clé. Ici, pareil, après un beau rallye, je n'exclus pas un retour sur des niveaux de support. Et là, on est pile poil dans une grosse zone de résistance. Hein. Résistance horizontale, couplée à l'oblique baissière. Et puis, on a quand même la moyenne mobile 50 ici. Certes, pour le moment, elle est franchie. Mais pareil, ça pourrait retomber en tout cas. Pour libérer plus de hausse, il va falloir clôturer au-dessus des 1,0840 en hebdomadaire et franchir aussi cet oblique. Et là, ça permettrait à l'euro d'aller chercher les 1,0970 et 1,105. Toutefois, on a eu quand même un très beau rallye sur l'ensemble des paires en euros, que ce soit l'euro dollar, l'euro CHF. Les marchés ne montent pas en ligne droite, les marchés ont besoin de respirer et de consolider. Donc, à surveiller, en tout cas en journalier. Continue, le RSI monte bien. On continue à enchaîner les séances de hausse. Toutefois, prudence, on arrive sur un niveau technique clé et le marché, en tout cas, forme une divergence baissière. Toutefois, cette dernière n'est pas encore validée. Le GBP/USD. En données 4 heures qui tentent de rallier la borne. Enfin, on est même sorti de la borne haute du range. Toutefois, en journalier, où est-ce qu'on est? Eh bien, encore une fois, bis repetita, on vient travailler la moyenne mobile 200. Donc, pareil, ici, c'est le pivot clé à franchir pour dégager une hausse un peu plus conséquente en direction des 1,35. Là, on a vraiment un seuil technique clé. Voilà, le niveau des 1,27. On a travaillé une fois ici, une fois là, pareil là, là on a fait le yo-yo et quasiment on est venu buter. Bon, là c'est un mobile 200, donc pareil, ça coince et on est pile poil dessus. Donc vraiment, pour accélérer, il va falloir qu'on casse ce niveau. La cassure des 1,27 permettrait d'accélérer en direction des 1,35. Pour le moment, à chaque fois, le marché est venu échouer sur ce niveau. Alors certes, en données 4 heures, on a une sortie par le haut du range. Toutefois, attention au bull trap. C'est surtout ça qu'il faut se dire. En données 4 heures, si on affine, effectivement, sortie par le haut. Mais là, encore une fois, on forme une divergence. Donc, attention au bull trap, sachant que. Est légère, mais décidément, il a décidé. Voilà. Vous la voyez, on est pile poil le deuxième point de contact, ça fait pile poil sur la zone de surachat, donc elle est juste ici. Pareil, pas validé, mais attention au bull trap en tout cas. Partez du principe que pour libérer plus de hausse, il faut franchir en clôture le niveau des 1,27.
que sinon on pourrait assister vraiment à une phase de repli, une réintégration du range en données 4 heures. L'USD CAD se trouve à la croisée des chemins. Objectif théorique quasiment atteint suite à la cassure par le bas de ce triangle descendant. On se trouve bien évidemment sur la moyenne mobile 200. Donc c'est ici que tout se passe. En fait, c'est soit on rebondit clairement sur la MM200 et on retourne chercher l'ancien support devenu résistance en direction des 1,3770. On l'a pas comblé complètement. Il manque encore quelques pips, mais la moyenne mobile 200 fait obstacle. Et je pense que si on casse la moyenne mobile 200 en clôture, bon, on ira chercher un peu plus bas les 1,3330. Les 1,3330, c'est ce gros niveau technique. Là, on voit très bien que le marché a buté à de plusieurs reprises. Donc pareil, toujours attendre un signal de retournement. Pour le moment, il n'y en a pas. Donc si ça casse, le prochain gros niveau à surveiller pour essayer de prendre un rebond, ce serait le niveau des 1,3330. En données 4 heures, c'est plutôt baissier. Et on voit un peu que le marché pourrait finalement venir combler le gap. Il manque encore, voilà, 40 pips. Vraiment pour venir combler ce niveau. Donc, pareil, le NFP pourrait déclencher un mouvement intéressant sur cette paire. Concernant les matières premières, tout de suite, le gold qui tente de sauver encore une fois le niveau des 1700, moyenne mobile. Moyenne mobile 50, toujours qui vient soutenir les prix en tant que support et qui vient s'aligner au support psychologique des 1700. Pour le moment, ça tient. Bien évidemment, l'or recule, donné que les indices montent. Je ne vais pas me répéter, mais vous savez très bien que l'appétit pour le risque ne profite pas aux valeurs refuges telles que le franc suisse ou le gold. Toutefois, elle, la monétisation de la dette qu'est actuellement en train de faire les banques centrales, à long terme, profite au cours de l'or. Et que bien évidemment, si Donald Trump continue sa guerre froide avec la Chine sur l'accord de phase 1 ou sur les protestations à Hong Kong, bien évidemment, à moyen terme, bien sûr, je parle, l'once d'or a encore de beaux jours devant lui. Toutefois, à court terme, la hausse des marchés fragilise le gold. Mais rien à dire de plus, si ce n'est que c'est le pivot à tenir. C'est le pivot à tenir, l'ancienne oblique haute qui passe par les plus bas, moyenne mobile 50. Donc ici, on est sur une grosse zone et on voit à chaque fois, on fait un peu des mèches assassines et ça tient. Donc les acheteurs se manifestent ici et tentent vraiment de repartir. Donc c'est le niveau, tant que ça tient, effectivement, on pourrait assister à éventuellement un canal baissier. Voilà, ici. Soit on va évoluer dans un canal baissier, soit effectivement ça part, ça tient ce niveau, et tant que ça tient pour le moment, je reste aussi tant que la moyenne mobile 50 et les 1700 ne sont pas franchis à la baisse en clôture. Pour le moment, les acheteurs se manifestent ici. Et voilà, il faut que ça tienne, j'ai envie de dire, et qu'on arrive une nouvelle fois à reconquérir les 1750. Finalement, le scénario n'a pas évolué depuis le début de la semaine. Les acheteurs ont été malmenés, ce qui est tout à fait normal étant donné l'euphorie des indices et l'enthousiasme de la part des investisseurs. Mais je trouve que le cours de l'or est plutôt solide et n'a clairement pas capitulé. Donc, ce qui est encore positif et ce qui montre à quel point le cours de l'or, je pense, pourrait une nouvelle fois nous surprendre cette année. Le Brent. Haussier. Encore une fois, rien à dire de plus. On prend 3%, c'est haussier. Pas de signal de retournement.
On attaque le premier niveau de résistance. Bon, si on casse, on ira combler le gap. La stratégie reste la même, hein, c'est de remonter ses stops. Et pour le moment, c'est tous les acheteurs qui payent les cassures de résistance, eh bien, ont raison. Donc on aura fait une sixième semaine de hausse consécutive sur le Brent, aussi en hebdomadaire. Haussier en daily, en 4 heures, même constat. Pas de signal de retournement. Ça sert à rien d'être à contre-courant. Au contraire, si on casse les 41, et ben on remonte le stop, on va chercher les 44, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est beaucoup trop tôt pour le moment pour envisager un repli des cours du Brent. C'est haussier en 4 heures daily hebdo. Donc, ne cherchez pas à être à contre-courant, au contraire, suivez la théorie d'eau, des plus bas de plus en plus haut, des plus hauts de plus en plus haut et des cassures de résistance. Et on accompagne le mouvement, remontons ces stops en effectuant des prises de bénéfices partielles. Donc, on verra au comblement du gap où ça deviendra intéressant sur les 44,5. Une partie comme ça, si on casse les 41,5, eh bien, ça sera le comblement du gap, oui. Je ne vois pas pourquoi le marché s'arrêterait. Si bonne route. On est sur un long chemin haussier, un rallye assez modéré sur le Brent comparé au WTI, mais 1 heure, 4 heures, on a beau descendre même en 1 heure, c'est clairement haussier sur toutes les unités de temps. Le light, même constat, on est dans ma zone, pile poil dans ma zone mensuelle, trimestrielle, mais avec du recul, je me dis qu'elle va sûrement céder. Hein. Quand je vois la zone mensuelle d'axe que j'avais dessinée, qui a été pulvérisée en seulement une à deux séances, je me dis que le mouvement est tel sur l'ensemble des classes d'actifs que on pourra avoir le même phénomène sur le WTI. Voilà, on est pile poil dans la zone. Hebdomadaire mensuel. On est vraiment dessus. Donc, reprenons l'hebdomadaire, haussier, pas de chandelier de retournement, daily, haussier, aucun signal de retournement, 4 heures, haussier. Pour le moment, la zone, on a identifié une zone, mais c'est trop tôt. Si on casse, c'est direction les 42. Voilà. Si on casse, on ira chercher le gap ici. Et pour le moment, ça semble plutôt bien parti. Pareil, celles et ceux qui ont suivi la théorie de Dow et qui ont remonté leur stop suite à la cassure de chacune des résistances, bien, finalement, ont eu raison, hein. The trend is your friend. La tendance est votre ami. Et là, pour le coup, encore une fois, on a une belle démonstration depuis le 28 avril que les cassures des plus hauts, en remontant ces stops, permettent d'accompagner le mouvement le plus loin possible. Et seulement et uniquement si on a un signal de retournement, une divergence, un chandelier ou une grosse news, dans ce cas-là, oui, se positionner dans le sens contraire de la tendance pour tenter de démarrer un retournement. Mais à court terme, en 4 heures, en daily ou en weekly, c'est haussier. Donc, une nouvelle fois, je me répète, mais ça ne sert à rien d'être à contre-courant. C'est très important, j'ai envie de vous dire, plutôt suivez le flux pour le moment, sinon restez à l'écart et mettez-vous en tant qu'observateur. Si vous souhaitez obtenir, si vous pensez que le pétrole va se replier dans les jours à venir. Pour terminer, on va s'intéresser au Bitcoin qui reprend un peu du poil de la bête, on va dire. Mais comme vous le savez, ça bouge beaucoup le week-end. Donc pareil, j'ai pas envie de faire des pronostics. Juste avant le week-end, on sait que le dimanche, ça bouge beaucoup sur les cryptos, donc on aura la clôture weekly.
et que je me méfie, tout simplement. Maintenant qu'on a eu ce bull run ici et que derrière il a complètement été avorté, le triangle en soi n'est pas invalidé. Hein, faudrait vraiment qu'on repasse sous les 9003 et là le triangle effectivement serait invalidé. Là on repasse au-dessus, mais ce mouvement, en fait, le fait d'avoir ce triangle qui partait plutôt bien, et finalement, les vendeurs se manifestent et réintègrent, on a l'impression que le triangle s'essouffle, en fait, et que l'objectif théorique, si on repart, ne serait peut-être pas forcément atteint. Et j'aime vraiment pas cette configuration où c'est pas un pullback, en fait. Le pullback est beaucoup trop violent pour, c'est pas un joli pullback et ça repart. Là, on est venu quand même carrément enfoncer. Je pense qu'on a même chassé des stops. Donc, c'est un pullback très agressif avec une belle chasse au stop qu'on a eu sur certains exchanges. On est allé bien plus bas que les 9300. On est allé quasiment à 8006, il me semble. Donc là, c'est sur ProRealTime, mais sur d'autres exchanges où on peut acheter et vendre des crypto-monnaies, on est allé bien plus bas. Donc vraiment, ça a été une sorte de purge, une belle chasse au stop. Et voyons si cet oblique, qui est le dernier rempart en soi techniquement, qui freine la hausse en tout cas, si cet oblique va tenir pour permettre de libérer, qui ouvrirait la voie à une accélération haussière en direction des 10 900 puis des 12 000. L'objectif théorique en tout cas du triangle. C'est l'ancienne borne du canal. On est éventuellement essayer de tracer une nouvelle droite. Pourquoi pas? Je la trouve. Elle n'est pas très pertinente maintenant, cette droite. Elle est cassée une fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Du coup, quand votre droite de tendance est traversée un peu comme en mode passoire dans tous les sens, elle n'est plus très pertinente, on va dire. C'est bien d'avoir une jolie droite de tendance qui rebondit. Donc pareil, j'attends d'avoir un historique de cours un peu plus long pour essayer de tracer une nouvelle droite de tendance pour éviter de se faire piéger. Voilà concernant le scénario BTC. En tout cas, il faudra faire le point. On fera le point lundi matin avec la clôture hebdomadaire, sachant que pareil, on pourra encore avoir des surprises ce week-end, étant donné qu'on a pas mal de volatilité et de variations le samedi et le dimanche. Toutefois, je suis plutôt neutre. Certes, la tendance est haussière, mais je me méfie un peu, étant donné que ces breakouts avortés à de nombreuses reprises, je trouve que ça nous invite à la prudence. Voilà. Une fois, je veux bien, deux fois, trois fois, quatre fois, bon, ça cale. On sent que les acheteurs, que le flux actuel manque clairement de carburant ou d'un catalyseur suffisant pour vraiment déclencher un véritable bull run. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, pour celles et ceux qui souhaitent consulter l'article dans son intégralité, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end, de très bons trades, un bon NFP. Soyez prudents aussi à la suite de cette annonce. Ne pas trader, c'est aussi trader. Donc, je vous souhaite de très bons trades et on se retrouve lundi pour faire un nouveau point sur les marchés.